Les femmes, les vraies, elles aiment les hommes, les vrais. Un homme, un vrai, ça couche pas avec des gamines. Moi, mon combat, c'est quand même de défendre, d'une part, la jeunesse et l'enfance, et puis de défendre l'amour aussi. Parce que dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est sali, c'est l'amour. On a transformé le sexe en activité de loisir interchangeable qui se fait à la chaîne à partir de la haine des femmes et de l'exploitation des enfants. Mais je trouve que l'amour, c'est plus important que ça. C'est beaucoup plus. C'est pas que c'est plus important. L'amour, c'est sacré. L'amour, c'est sacré. Et y compris l'amour charnel. Y compris l'amour charnel. Ça relève du sacré. Et c'est parce que c'est sali et cassé par ces gens-là que ça va finir par n'être que dégueulasse. Et il n'y a aucune raison. Je trouve que l'amour entre un homme et une femme, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, à la condition que le cadre y soit, le respect et le sacré. Et ces gens-là salissent tout. Ces gens-là salissent absolument tout. C'est ignoble. À l'heure actuelle, on sexualise les enfants tellement, tellement jeunes que bientôt, ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. C'est épouvantable, on sexualise les petits-enfants. Depuis que j'ai lancé les premières alertes, j'ai des gens qui m'écrivent en disant « Regardez, Madame Sigour, regardez ce que j'ai trouvé. » Et on me donne des livres d'images pour des bambins à l'école maternelle où on voit des enfants qui se font du touche-pipi, qui s'écartent les jupes, qui se baissent le pantalon et qui écartent les cuisses. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on montre maintenant aux enfants. Alors c'est quoi le but? Le but, c'est de désacraliser le sexe. C'est de faire du sexe quelque chose de sale ou de banal. Soit c'est sale, ça va être la pornographie, soit c'est complètement banalisé, c'est complètement déshumanisé, désacralisé. Et c'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue. Et je trouve que en prendre, comme disait Matzneff, je lui ai appris l'art de la caresse, c'est pas mieux pour une fille de 14 ans d'apprendre les émois de des sens avec un vieux barbon plutôt qu'avec un garçon de son âge. Avec un garçon de son âge, elle prendra le temps, ça sera peut-être d'ailleurs celui de sa vie. Ça existe encore des gens qui se connaissent jeunes et qui restent ensemble. Ça existe encore. Je sais bien que c'est le rêve de beaucoup de gens et qu'il n'y a pas beaucoup qui l'atteignent, mais il y en a encore. Et alors, une fille qui rêve de se réserver pour un garçon qu'il aime, c'est mieux qu'elle se fasse sodomiser par un vieux barbon qui en a eu 4 dans l'après-midi et qu'on aura encore 5 le lendemain matin. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Et moi, j'ai étudié les programmes de l'Organisation des Nations Unies sur le plan sexuel. Le but, c'est de... Et c'est marqué en toutes lettres, hein, dans la Déclaration des droits sexuels, dans les déclarations de l'UNESCO, dans les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est marqué en toutes lettres. Le but, c'est de séparer la sexualité de la reproduction. Mais à quel titre? À quel titre? Pourquoi devrait-on séparer le sexe de la reproduction? Vous savez comment ils font, c'est dégueulasse. Ils disent, le sexe, c'est le plaisir. Mais pas du tout. Pas du tout. Le sexe, c'est pas le plaisir. Le sexe, c'est le mode de reproduction de la vie. C'est le mode de reproduction de la vie. Qu'on y prenne du plaisir, mais c'est parce que la nature est bien faite. Si on n'y prenait pas du plaisir, on se reproduirait pas. L'alimentation, c'est pour se payer des gueuletons, pour se soutenir d'un jour à l'autre. L'alimentation, c'est quand même bien pour vivre. Imaginons que l'alimentation, à partir de maintenant, pour se soutenir, on se prend une piqûre. Et puis le reste du temps, on bafre et on vomit, on bafre, on vomit, on bafre, on vomit. Ben c'est ça l'avortement aussi, non? C'est ça. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la culture, c'est pas ça la civilisation, c'est pas ça la société des hommes. Pourquoi veut-on nous entraîner là-dedans? On veut nous esclavagiser. Des enfants sexualisés ne sont plus capables d'apprendre à lire ni à écrire. Un gosse sexualisé ne pense plus qu'au sexe. Il n'y a pas à le faire entrer la sexualité dans la vie des enfants. Donc le pédophile, c'est l'ennemi public.
Ça fait longtemps que ça couvre tout ça. J'ai noté une chose, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient « mais elle est dingue, de quoi elle parle ?» Et puis brusquement, ça a commencé à arriver dans les journaux, et maintenant, on ne parle plus que de ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de pédophiles maintenant qu'avant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a toujours eu, mais maintenant, ça se dit, maintenant, ça se sait. Alors, messieurs les pédophiles, alors je sais qu'il y a des dames aussi. Oh, je sais qu'il y a des dames. Et vraiment, ça, pour moi, ce n'est pas une surprise. La perversité, c'est donné à tout le monde. Mais en l'occurrence, pour ces choses-là, il y a quand même une bonne proportion de mâles plutôt que de femelles. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que la prédation sur les enfants, ça se fait par l'absence de père. C'est comme ça. Matzneff, toutes les filles avec qui il a couché, elles n'avaient pas de père. Ou le père était absent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand le père est véritablement absent, et que la mère finit par prendre conscience, ça peut être extrêmement violent, la révolte des mères, ça peut être extrêmement violent, il faut se méfier. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas que les femmes prennent le pouvoir, parce que je ne suis pas féministe et j'ai horreur des féministes, c'est que les femmes montrent la voie aux hommes, et qu'elles remettent les hommes dans le rôle de protection de leurs femmes et de leurs enfants. Vive le patriarcat. Retour des pères. Je réclame le retour des pères. J'ai beaucoup de choses à reprocher aux miens, mais je lui sais gré de m'avoir défendu et de m'avoir appris une morale et des limites. Et je plains les filles qui n'ont pas de père. Vive les pères. Debout les pères, debout les pères. Les femmes, les vraies, elles aiment les hommes, les vrais. Un homme, un vrai, ça couche pas avec des gamines. Un homme, un vrai, ça s'intéresse à sa femme. Et c'est parce que c'est sali et cassé par ces gens-là que ça va finir par n'être que dégueulasse. Et il n'y a aucune raison. Je trouve que l'amour entre un homme et une femme, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et ces gens-là salissent tout. Ces gens-là salissent absolument tout. C'est ignoble. Désacralisé. Et c'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue.